Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 59 ans. Après quelques expériences dans l'industrie, la restauration, j'aspire à prendre un peu de recul sur la vie dite active, ouais, avec l'obligation du salariat. Et avec Céline, depuis 2003, on a acheté une petite maison sur l'île de Bé, en Grèce, pour observer un petit peu la façon de vivre, la façon de travailler de ces gens, qui me paraissent être un modèle. Et on est très, très solidaire des Grecs en ce moment avec leurs problèmes d'intégration dans l'Europe. Voilà, donc on a une vraie envie de rapporter un message fort à nos compatriotes européens, voilà, de leur façon de vivre le travail. Vous étiez où avant d'arriver ici? Donc avant d'arriver ici, on était à Perpignan, on avait un bar à vin nature, tapas, et on travaillait dans de bonnes conditions, une bonne ambiance. Mais on a eu envie de prolonger cette expérience de vie ensemble avec des gens qui ont plus à nous apprendre peut-être que notre société est assez structurée. Et voilà, donc notre vraie envie, c'est de l'observation. Mmh. On vous en dira plus dans quelques années. on voudrait faire le tour de l'île de Bé, parce que l'île de Bé me semble être très représentative de ce qu'était la Grèce avant l'intégration dans l'Europe. Mmh. Peut-être de voir les évolutions positives et négatives depuis cette entrée dans l'Europe et à l'euro, ce qui pose tant de problèmes actuellement. On a été séduit par cette île à cause de... Il y a différents climats, il y a différents paysages. Et il y a des villages qui vivent pratiquement sur eux-mêmes. À leur dire, ils n'achètent que le gasoil. Donc, c'est vraiment des expériences qui nous intéressent. Et on a été longtemps en train de vouloir mettre en œuvre, d'imaginer, de vivre différemment, de vivre... autrement ensemble, en étant toujours l'humain au centre de la préoccupation. Et puis on s'aperçoit que ça existe quelque part, peut-être dans l'île de Bé, mais sûrement ailleurs en Grèce. Donc en fait, vous aviez créé votre bar à vin, ouais, à Perpignan, et qu'au départ c'était vraiment une petite structure et que c'est ça qui vous plaisait. Voilà. Que très vite c'est devenu une affaire qui marchait, donc beaucoup plus grande. Quand on a créé cette structure qui se voulait être autogérée, parce qu'on était deux, c'était assez facile, en faisant connaître des vignerons qui travaillent proprement, qui font des vins sans chimie, bon, tout ça nous passionnait. Et finalement, on s'est aperçu que de faire vivre une petite structure dans le carcan de la réglementation, de la fiscalité, des TVA, il fallait beaucoup travailler. Et la structure a dû grossir, on devait quasi être plein tous les soirs pour être à l'équilibre. Donc on a, pendant les 2 heures où on travaillait, les 3 heures, il fallait du personnel en plus. Enfin, on a vraiment compris que cette structure de société était difficile et que si on voulait en vivre, ben, il fallait être comme rentrer dans le rang. Quoi. C'est ce qu'on demande aux Grecs actuellement, c'est de rentrer dans le rang. Mm-hmm. Ben, nous, à notre niveau, ben, on a préféré arrêter, d'aller voir ailleurs comment les gens arrivaient à vivre en prenant le temps. C'est très important de voir comment on peut à la fois vivre
être bien, partager, s'enrichir en utilisant le temps de la meilleure façon possible. Mmh. Et dans nos sociétés, je pense que le temps, on en maîtrise très peu. Mmh. On maîtrise très peu de notre temps, plutôt à courir après. Qu'est-ce qui a fait que la Grèce, au final, et l'île de Bé soit le lieu où vous y voyez une vie positive, où on prend le temps où... Mais j'ai l'impression qu'après avoir longtemps cherché, c'est un modèle. C'est peut-être c'est un modèle qui nous convient, qui ne conviendrait peut-être pas à toi, à moi, bien que... et j'ai vraiment envie de m'approprier ce modèle, d'en parler aux copains en France, pour dire qu'il y a une alternative. Tu parlais donc effectivement d'autogestion et de style de vie, et ce que j'entends et ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est remettre au centre l'être humain. Mais ça toujours, je crois qu'on est, quand on est tombé dedans petit, l'important c'est l'humain, c'est l'être humain. C'est là. Toujours il faut cultiver les différences, il faut que la différence s'enrichisse, je m'enrichis de la différence de l'autre. Oui. Tout seul, je ne suis pas grand chose, c'est juste la différence qui m'enrichit. Et je passe des heures à regarder des gens pêcher ou des vieux parler sans comprendre le discours, mais rien qu'à leur mimique, ça m'enrichit, on prend du plaisir. Oui. Voilà. Oui. Et je pense que dans nos sociétés, on est bien loin de ça. Donc, moi, je mets en avant une chose, c'est qu'il faut absolument prendre un modèle sur ce qui reste encore de cette Grèce authentique que j'ai connue quand j'avais 20 ans, j'ai beaucoup voyagé, où j'étais succubé par l'accueil, par le partage. Et j'espère que ça ne disparaîtra pas avec les prochains gouvernements qui ne vont pas manquer de nous imposer à Athènes et dans les provinces. Ce qu'on côtoie sur l'île de Bé, on gardait des valeurs qu'on a perdues, en fait. Des valeurs de simplicité, des valeurs de chaleur, des valeurs d'hospitalité, de savoir prendre le temps, on en parlait tout à l'heure. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont su garder ça. C'est apaisant de savoir que la course effrénée peut s'arrêter, qu'on peut rester en marge, que la marge, il y a aussi des belles choses dans la marge, que voilà. Ça a besoin de revenir à beaucoup plus de simplicité. Beaucoup de gens auraient tendance à fuir la Grèce en ce moment, peut-être. Elle est inquiétante, elle est intrigante. Si elle est instable, si elle est... ça peut être quelque chose d'angoissant. Au contraire, nous, ça nous apaise, quoi, de savoir qu'il y a des choses qui sont en train de se produire en Grèce, qui vont se recentrer sur l'essentiel. Il y a des choses qui vont se passer et on a hâte de les voir, on a hâte d'y prendre part. Voilà, aujourd'hui on est le Jufferand du tableau de Chagall, on regarde, peut-être que demain on donnera un coup de pouce, on aidera. Ne serait-ce que ce que je disais tout à l'heure, ça me paraît important, qu'on puisse rapporter cette parole dans nos milieux, dans nos microcosmes respectifs en France. Regardez comment vivent ces villages et est-ce que vous voulez qu'ils vous ressemblent? Est-ce que vous voulez qu'ils vous ressemblent? Est-ce qu'à un moment donné, vous pensez qu'il faut maintenir leur façon de vivre et peut-être vous en inspirer? On a connu tous les repas de quartier, on a connu tout ça, mais en Grèce, c'est en permanence. On ne fait pas un repas de quartier une fois par an. C'est ça, peut-être que les gens dans l'erreur, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est le pays de la démocratie et je pense qu'ils sont démocratiques dans la. Il y a eu la Grèce du colonel, mais il y a eu une révolte. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, les Grecs sont complètement matures, ils savent très bien où ils vont. Je pense qu'il faut leur donner la chance et pas les scotcher pendant deux générations, rembourser une dette finalement qu'ils n'ont pas forcément mérité, parce que même si je n'ai pas travaillé le dossier, je pense qu'on a demandé à la Grèce de rentrer dans l'Europe alors qu'elle n'avait pas les critères demandés.
et on a plus ou moins fermé les yeux. On a fermé les yeux sur quelques dirigeants un peu scrupuleux. On savait très bien qu'ils n'œuvraient pas, parce qu'il y a quand même toujours eu un petit peu de clientélisme, je dirais, chez les peuples grecs. Mais il ne faut pas faire payer ça aux peuples grecs. Quand on arrive dans ces villages où les gens vivent, ça bouge, ça grouille, les vieux, les jeunes, les handicapés, mentaux, légers, qui peuvent côtoyer tout le monde, voilà. Il y a une vraie vie où tout le monde est intégré, sans faire des grandes tralala, quoi. Voilà. Céline, tu aurais quelque chose à dire par rapport à ce que vient de dire Jean-Jacques, ton ressenti propre, avec tes propres mots? Oui, moi je pense que le chemin c'est celui-là en fait, la citation riche de peu de besoins, c'est quelque chose qui nous a pas mal accompagné ces dernières années. On n'arrivait pas forcément à le mettre en action, mais c'était un leitmotiv qui revenait régulièrement. Et c'est vrai qu'avec l'installation sur l'île de Bé, ça, voilà, on a trouvé le sens à ça. Une dernière question, est-ce que l'expérience que vous êtes en train de vivre, que vous avez construite, change votre regard sur le futur? Bah, sur notre futur, oui. Parce que finalement, on a pris une bifurcation. Voilà. Indéniablement, personnellement, on va beaucoup plus vivre avec les saisons, en prenant le temps, dans le contact, des choses qu'on avait presque perdues en France, qu'on n'arrivait pas à vivre au quotidien. Donc personnellement, oui. On rentre dans une nouvelle vie, ça c'est sûr. C'est-à-dire, on rentre dans une nouvelle vie avec beaucoup d'excitation, quoi. D'excitation, sans préjuger, simplement dire les choses. Pas de manière professorale, voilà, pas de donner de leçons à rien, dire voilà, il y a une autre vie, elle existe, je l'ai rencontrée, une autre façon d'être, qui peut-être dans tel village de Corrèze, dans tel village de l'Ardèche, ou autre, pourquoi pas s'inspirer, pourquoi pas. Et moi qui étais pour l'autogestion, donc l'organisation précise, une structure par des règles autogérées, peut-être que je revois ma copie aujourd'hui à tous ces jeunes, ça fait quoi, une petite quinzaine d'années, qui s'installent sur des vignes, qui passent en bio, et puis qui vinifient aussi en bio, c'est-à-dire aucun intrant, peut-être un peu de sulfite à la fin, non, pas tout le temps, aucun intrant dans les enfants. Et ces vignerons sont en réseau, ils se parlent. Donc par rapport à ce rôle, donc ils font des salons entre eux, ils s'échangent des idées, des choses. C'est compliqué, l'hygiène du vin. Voilà. Et bien pourquoi pas que les charpentiers le fassent et que les plombiers le fassent. Pourquoi pas que ces réseaux se mettent en place à travers une activité. Pour clôturer cette interview, qu'est-ce que vous auriez à dire? Qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Ben, je suis sûr que d'une chose, c'est que je doute. C'est pas de moi, c'est de des folles. Mais je doute tellement que je veux aller voir ce qu'il y a derrière le col, le paysage, derrière. Le regard de quelqu'un, qu'on doit aller au-delà de ça, voilà, tout le temps. Et je pense que c'est bien de se déshabiller de certitudes, voilà. Et, alors que peut-être, plus jeune, j'avais des certitudes, il fallait faire les choses comme ça, et finalement, ça mène à pas grand-chose, sauf peut-être à l'île de Bé. Céline, moi je me rapprocherais plutôt de la notion de plaisir, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une société où il y a énormément de contraintes, énormément d'angoisse, l'avenir ne paraît pas très certain, ne paraît pas très rose. Donc quitte à avoir un avenir incertain et un avenir gris, bah, autant se faire plaisir. Pour revenir sur la notion de plaisir, pourquoi je fais ce job, pourquoi je suis là, pourquoi je... Revenir sur cette notion de plaisir, se faire un petit peu plus plaisir, parce que et les Grecs font vraiment ça très bien. Sont vraiment sur cette notion de simplicité et de plaisir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de contraintes, mais ça peut-être qu'ils les assument mieux que nous, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en arrangent mieux, ou peut-être qu'ils s'en rajoutent pas. C'est déjà ça. Merci.